les représentants des autres églises chrétiennes, et particulièrement Son Excellence Jean-Joachim, qui est le président de métropolite de l'Église orthodoxe. Nous saluons également les nombreux membres du corps diplomatique, les autorités civiles, ainsi que vous tous, frères et sœurs, qui êtes tous et toutes les bienvenus. Vous le savez bien, nous célébrions aujourd'hui, en ce 13 mars, le 10e anniversaire du pontificat de sa sainteté, le pape François, que nous estimons tous. Prions le Seigneur pour rendre grâce et pour demander qu'il assiste notre Saint-Père dans sa lourde tâche au service de l'Église et du monde entier. Et préparons-nous maintenant à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pauvres pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie. Amen. Luister in uw goedheid naar het gebed van uw volk. Geef dat hij op aarde zijn broeders bevestigt als plaatsbekeerder van Christus. En dat de kerk overal gemeenschap vormt met hen, door de band van eenheid, van liefde en van vrede, zodat allen waarheid en eeuwig leven vinden in u, gij onze goede herder, herder van alle mensen. We vragen het u door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.